Bonjour à tous, chers amis. Je m'appelle Philippe Borden, je suis le président de l'Institut pontifical de théologie Jean-Paul II pour les sciences du mariage et de la famille. La principale caractéristique de notre institut consiste dans le fait qu'il est l'unique institut de formation supérieure totalement dédié au mariage et à la famille. Pour développer les relations entre la théologie et toutes les autres sciences qui s'occupent du mariage et de la famille. À l'Institut Jean-Paul II, vous trouverez deux types de parcours. Un premier parcours de licence et de doctorat en théologie du mariage et de la famille, qui présente comme toutes les spécialisations de niveau supérieur en théologie de la théologie, mais qui cette fois comporte également des spécialisations liées aux sciences humaines, mais à tous les domaines de la théologie qui touchent particulièrement au mariage et à la famille. La liturgie et les sacrements, l'ecclésiologie, la pastorale, la morale, la bioéthique. Vous aurez là tout ce qui convient pour préparer une licence spécialisée en théologie et le doctorat. L'autre cursus, qui est ouvert à tous nos étudiants et particulièrement aux laïcs, pour ceux qui n'ont pas encore fait beaucoup de théologie mais qui ont déjà une licence en 3 ans, soit en philosophie, soit en pédagogie, soit en droit, la possibilité pour leur vie professionnelle future de se spécialiser dans les sciences du mariage et de la famille. Un certain nombre de cours sont communs aux cours de théologie, mais on peut accéder sans avoir fait un parcours complet de théologie. Je dois parler encore de toutes les activités qui permettent à beaucoup de publics, en présentiel ou en distanciel, puisque nous avons beaucoup d'événements qui sont communiqués à distance, qui permettent donc de s'informer, de se cultiver, d'approfondir les domaines du mariage et de la famille. Nous avons en particulier 2 chaires de recherche, la chaire Carole Wojtyła, qui approfondit particulièrement la pensée du Saint-Pape Jean-Paul II, et la chaire Gaudium et Spes, qui, en relation avec différentes personnes, croyantes ou non, aborde les questions d'actualité qui concernent la famille, le mariage, dans des contextes interculturels. Enfin, pour vous attirer dans cet institut de renom international, je voudrais dire que vous trouverez ici, à Rome, une ambiance internationale. Nous avons des étudiants qui proviennent de 30 nationalités, vraiment de toutes les régions du monde. De plus, notre institut a plusieurs sections internationales dans différents pays, les États-Unis, le Mexique, le Brésil, le Bénin, l'Inde et l'Espagne. Et de plus, quelques centres associés aux Philippines, à Puerto Rico, à Saint-Domingue et au Liban, à Beyrouth. Voilà, chers amis, tout cela pour vous dire que je vous attends personnellement comme président de l'Institut Jean-Paul II, mais tous mes collègues, professeurs, également les étudiants, vous attendent. Alors, venez et voyez.